Mauvaise. Chers téléspectateurs du micro du pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, on vous dit bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous le regardez. Nous sommes avec James Koudoua, avec lui, on va essayer de parler, on sera bilingue, pourquoi pas trilingue, pourquoi pas. Bonjour James Koudoua. Bonjour pasteur Bobo. Bonne année 2024. Merci, pareillement, bonne année, plein de succès, santé, prospérité. Tout ce qui est positif. Nassimbi, beaucoup de monde, il y a 2023. Mais ça, maman, papa, c'est ma 4e, mon voisin 2023. 2023, et autres publics, il y a comme. Tu vois, beaucoup de casquettes. Non, pourtant, c'est la casquette d'une. Aux intellectuels, aux pasteurs, aux. Tu vois, beaucoup d'activités mêlées. Vous avez un homme très influent dans la diaspora congolaise, situé à Belgique, 2023, comment ça s'est passé pour vous, c'est bon pour 2023 Quels sont les points forts, les points faibles, les points... 2023, c'est d'abord une année comme toutes les années, mais particulièrement pour le chrétien congolais, ils ont un émo qui est un peu turbulent. Ce qui, totali, on a eu de sérieux problèmes au niveau de l'organisation, au niveau de l'ERC, il y a eu un peu de turbulence. Et puis, au niveau aussi politique, on peut dire que on a bien clôturé cette année, on a eu des élections. Donc, c'est une année qui était vraiment mouvementée. Très mouvementé, mais comme on dit, le Seigneur était avec nous, tout Banda Kiangou et tout ce qui est là. En 2023, il a eu beaucoup de prophéties dans mon livre, dans une casquette comme homme d'église, homme de Dieu, il y a beaucoup de prophéties dans la prophétie dans l'église, entre autres, la prophétie Mouro, et aussi la bonne polémique. La prophétie du pasteur Dalo. La bande de Dalo, on a couru dans mon nom Dalo. Ma prophétie, je l'ai dit souvent aussi dans des réseaux sociaux, dans ma page Facebook, tout ça. Faut comprendre ma prophétie, ma prophétie et ça rendait mieux. D'abord Dalo, alors d'abord, et puis, sur la pourrie, sur quel point compte. J'aimerais bien expliquer dans mon peuple. Oui. Prophétie n'est pas là. Sauf que tu vas comprendre ma prophétie, c'est alors que tu vas comprendre, ce n'est pas seulement Dalo, mais on a beaucoup de prophètes aujourd'hui dans mon salon, hein? Je vais circonscrire un niveau de la congolais, on a beaucoup de prophètes et il y a beaucoup de prophéties. Donc, il y a un peuple qui a dit, on a la terre à principe, c'est-à-dire principe en alignant la rôle là, ils allent le lengeni ni makambo isalaka, ou bien le lengeni ni makambo isale maka. Donc principe, ils appellent au toucher dans le monde de la prophétie. Donc principe et la prophétie ils allent rappeler. Et la prophétie, en fait, faut te dire que la prophétie, il y a une part de Dieu, il y a aussi une part de l'homme. Dans ce monde, Nzambako la kisa mutu et l'homme mouro et mutako mona situation moko boye, mais sa manière d'interpréter cette situation ne yango batwa ben la prophétie. En fait, prophétie zanini, ils ali image to impression ou bien dans Nzambe a la kisi dalo clairement que candidat président moro koufa moro aux la chaise roulante. À mon lien, oui, à mon lien, oui, Dieu, Dieu m'a montré clairement, Dieu lui a montré clairement. En fait, tant que le baron, Dieu lui a montré. L'accomplissement dans Moïse, c'est ça. C'est là où moi. C'est spirituel, tout ça. Non, c'est physique. Pas spirituel, c'est physique. C'est là où moi, je trouve, pasteur, deux fois, je l'ai dit toujours, Bazan a manque de courage. Parce qu'ils aiment toujours se cacher derrière Dieu. Aux aumônes. Ils se cachent derrière Dieu au moment où ce n'est pas Dieu. Ils ont impression à yer. Aux aumônes. Tous les prophètes au Bazana Congo actuellement, dans le Bango, ma prophétie n'y en soit pas,
ezali ba impression na bango, ezali ba oh, ba projection mentale na bango, et c'est alors que ils interprètent ça. Et ba projection mentale wana ils a capacité moro naturelle mutu nyonso azala nango. Seulement il y a ba tumususu ba ko développer ngo makasi parce que balingi ba s'exercer na kati wana ba musu ba ko développer ngo moins. Et ce qu'on a ba projection mentale wana il y a mususu et tombaka juste et mususu et tombaka ma y a l'okuta. Bon pas l'okuta mais différent. Notamment on est dalo donc assez ma projection na yé assez ma projection na yé assez analyse na yé et même malheureusement il touche il cite le nom de Dieu là dedans c'est pas Dieu ils a prophétie nyonso ba prophète ba pasteur tout baloba ce sont des projections oh ils ont une capacité naturelle nzambe atia na kati ya mutu nyonso ata yondo ozali wana so ya momoni pour naïb ça va tout. Il y a au moins ba prophète, ça là, ba bien école des prophètes. Pourquoi ils font les écoles des prophètes? C'est pour apprendre na batou comment est-ce que tu peux développer cette capacité là en toi. Parce que moutou nyonso, nzambe denga ça là, aza na capacité wa. Si ko er moko et tombaka juste, er moko et tombaka, il écoute pas le goûta mais différent. Et oh, malheureusement, donc, à cause de il y a la différence. Ils ont différence, c'est-à-dire que c'est une donc, probabilité. Dans la conception de. Non, exactement à cause de, mais c'était une vous probabilité, vous mais qui ne s'est pas réalisée. Vous avez profité un 16 jours là. Voilà, c'était une probabilité, parce que c'était des, ce sont des probabilités. Vous avez un mathématicien, vous avez un mathématicien, qu'est-ce que c'est probabilité? Probabilité, c'est-à-dire qu'ils ont un gros erreur au salaire. Qu'est-ce que c'est probabilité? Ça combien la mathématique est la science. On a dit moi il y a c'est possible la probabilité beaucoup on a tous démonté. Mais tu as parmi bah verser $10 16 jours. Oui, en fait mon itango topé sa kaba projection. Au moment hein, un prophète ben bah pasteur tant bah ça la science de moment la prophétie. Sur tel bango baza on a besoin azala na moi na moi support moko na kati na ye soit aza na contact moko na yo soit abanda kuluka ko ko jongler est-ce que combo na yo eza bobina simelo no ça dit et ce sont des projections basalaka ce sont des projections au bazo sala sikoyo le pasteur d'alol lui aussi il a fait ça et je pense que il était là il a vu parce que zani ti mutu tanga à l'autre une d'autre soit tani même na nini na bible Pharaon à l'otindoto. Nous sommes à l'otindoto, il y aura boy. Mais il y a eu des gens qui l'ont expliqué, mais qui n'étaient pas des explications correctes. Et Joseph est venu, il a donné une bonne explication. Donc, c'est-à-dire que, au gros, on projection, moko boye, aux yeux explication à ma bé, tout comme au gros, projection, moko boye, aux yeux explication à ma lame. Tout dépend de la capacité, de la hauteur. Spirituel na yon de nini no sala. Donc moi pour moi na événement ya pasteur Dalo, je le dis Ezali c'est sa projection mentale mais qui ne s'est pas réalisé comme il avait vu. Donc le mal au bazo sala, Ezaka il teinte ça du nom de Dieu. C'est ça le mal. Il y a mon municipal. Non, dit ma prophète monsieur so, ma contredire yo de monsieur ma pasteur à Kinshasa. Beaucoup de Kinshasa. Voici l'homme, les autres, vous m'avez dit, c'est le babéquier, les autres, vous m'avez dit, non. Ceux qui, prophètes, sont le bénécam, ils ont pris sa mité, ils ont fait le prophète, ils ont le couteau, ils ont mensonge. Ton bazou, verset le bébé, bien moi, ceux qui ont pris sa mité. Ils ont pris sa mité. Déclassé, ils ont le personnellement, je n'adhère pas à la principe, on a qu'un vrai prophète, c'est lorsqu'il prophétise, il copie sa mité, et un faux prophète, s'il prophétise, il copie. C'est un principe de la Bible. C'est un principe. Oui, la Bible, ils ont livre, ils ont un principe belé et certains principes, ils ont un principe holandais. Dans la vie, on a des prophètes, ils ont un principe marambouya solo, mais qui, ils ont un principe qui est un peu malade. Dans l'histoire de la Bible, on a des gens, par exemple, moi, je suis un esprit à Python, ils ont un principe qui est un marambouya solo, ils ont un. Mais nous avons dit qu'il est un vrai prophète. Non. Nous avons dit qu'il s'agit de ce principe derrière le prophétie, des prophéties. Prophétie, c'est une projection mentale au mutuazan en haut
Moutounion so azana yango, mouna lobi nazo signifiant ou bien moutounion so azana yango, yango wana so roke e pa ba musulman ou roukouta ba prophète, so roke pa ba bouddhiste ou roukouta ba prophète, so roke pa ba athée même ou roukouta ba prophète, ou roke pa ba n'invite ba religion ni ou roukouta ba prophète. D'autres ma pisa ba prophétie a solo, c'est-à-dire que eko kisami, et d'autres ma pisa ba prophétie ou eko kisami te, n'enye mon roupé, et d'alo lelo, Azala ba prophétie ou pas pesa et kokisama et azala pela ba prophétie ou pesa et kokisamite. Ça dit ça ezala ngo eloko moko te que c'est spécial que c'est Dieu non bien sûr on a insisté là bas le mal que les pasteurs font c'est le manque de courage ya ko lobe la peuple que ezali pas projection mentale na ba mon c'est ça le la vie deuxième prophétie yo ben ba ba projection deuxième prophétie ali ya aussi bien na ni Je suis un homme de Dieu. D'autres disent que quand on va tricher, peut-être qu'on va tricher. Il y a une histoire au Bible. Il y a un Bible, parce que... Aux autres, le mal que le pasteur fait dans la répétition, c'est la phrase, voilà, c'est de mettre le nom de Dieu dans ça. Aux autres, dans la religion juive, et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, dans la religion juive, et ça que dans le judaïsme, comme on dit, c'est sacré. Et ça dit on a recousa les logoté on a yebi que ça y a intérêt nanga mais dans une na bambi yango na kombo nzambe par exemple na la besoin na zwa mbongo na epa na yo na bi nzambe yebi singa boy alors tcha offrande de ni ça c'est du vol c'est de la malhonnêteté. C'est de la malhonnêteté. Malheureusement, plusieurs pasteurs, ils utilisent le nom des dieux. Plusieurs pasteurs. Je pense pas. C'est presque la majorité. C'est pas tout le monde, il y a des bons pasteurs. Malheureusement, ceux qui font beaucoup plus de bruit, monitoring hein ils sont des moniteurs porte étendard ça a été toujours comme ça. Donc par exemple avec le pasteur Ngalassi, c'est sa projection mentale mais il teinte ça du nom de Dieu au monde et ça l'a mité. Tout ça, c'est-à-dire que, quelque part, ils ont manqué à respect à Kumba Nzam. C'est-à-dire qu'ils n'honorent pas Dieu, ils ne sacralisent pas le nom de Dieu. Pourtant, c'est eux qui devaient causer la Kobanga. Parce que le principe, il y a Kumba Nzam, il faut Kobanga Yango. Ceux qui ont autant la Bible et qui a commis place Kumba Nzam, ils allaient bas Sotaka. Ils ne prononcent pas ça. Et montrer un peu la crainte il y a Kombo Nzambe. Mais malheureusement dans le christianisme biso ba congolais tout ça na kobanga Kombo Nzambe te romona na lina sale loko moko boye na osale loko na ngai par exemple ni dans ba église ba église ba pasteur na na sale église na ngai mais je mets le nom de Dieu oh ils ont moussa la Nzambe. C'est vrai je prêche la parole de Dieu. Mais dans la vérité ou dans la réalité, tout ce qui est autour de ça, il y a un conflit, il y a un conflit, il y a un intérêt, comment un conflit, tout ça. Pourquoi? Parce que il y a un loco, il y a pasteur. Mais à Tikombo Nzambe, il y a un moni même, il y a certains, un musicien
Ateya lobi non et longanza mais de vos ans au sein. C'est ça le mal. Donc bah pasteur, moi j'ai les encourage à vos na capacité na rolobaké. Regardez ce que moi je vois. Regardez ce que moi je pense. Tant que rolobabon, les gens ne diront pas que c'est Dieu. Les gens diront que c'est lui. C'est comme si on dit que le mot tient aussi les toits. Par exemple. Dieu m'a dit, sœur Moza, on s'appelle la sœur Roland. Au petit de cela, Dieu m'a dit. Ah, par exemple, ça, Dieu m'a dit, on va tomber un peu au la montagne. À bout d'un trois sœurs églises. Voilà. Trois sœurs églises. Dieu m'a dit. Et puis, à qui m'a dit, toi. À Gobala, moi c'est une chose, c'est un peu trouble. Voilà. Toi, Dieu t'avait dit, Nzambe n'a pas sécurisé, au Kimi, Nzambe, au Bozo, au Gobala, au Tobi, c'était au Gobala, au Bizé, Nzambe, Dieu m'a dit, Mobadé. On dit, parce que vous, on dit, Nzambe, nous ne respectons pas Dieu. Pourquoi nous ne respectons pas Dieu? Parce que tu es bien Nzambe. Na Komo, tu avais un président, et à cette époque, c'était encore les Zaïre, Mobutu. Citer le nom même de Mobutu, il y a un problème. Pour la relâche, il y a la crainte. Aujourd'hui, les gens ont la facilité de mettre le nom de Dieu dans une histoire. Mais il met le nom de Dieu. C'est là où. C'est ça, c'est que Bible et le bara, abomination. C'est-à-dire, l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu, sait que ce qu'il est en train de dire ou ce qu'il est en train de faire, c'est du mensonge, mais il cite le nom de Dieu. Mais à qui la faute, soit c'est le bandit, mais c'est le public, la Bible dit, bon, Dieu m'a dit, bon, voilà. Déjà, c'est là où Dieu trouve le problème. C'est parce que je pense qu'en tant que pasteur, j'ai expérimenté ça. J'ai compris que. Bah, pasteur, quelque part aussi, ils sont victimes. J'ai compris que lorsque j'ai dit aux gens, Naïbi, si par exemple, Moutounambi, Ndeko, Kabelanga 5 dollars, Kabelanga 5 euros, ah, au PST. Mais ce que Naïbi, si, Pesan Zambé, à PC. Au sommet, mais je suis dans le besoin. Oh, mais le Yop, t'as pas pensé, on va dire. Na PC. Au fond des coquilles. En fait, hein? Au fond des coquilles. En quelque sorte. Comment ça? En quelque sorte. Mais tu vas appeler ça. Nzambe, mais ma pasteur, est-ce que Nzambe a besoin de bon? Nzambe a besoin de bon. Est-ce que Nzambe a besoin de bon? Est-ce que Nzambe a besoin de bon? Pourquoi assurer Israël? Mais c'est ça, est-ce que Nzambe a besoin de bon? C'est un service humain. Mais assurer Israël, pourquoi? En fait, le problème, Dieu ne demande rien. Un Dieu qui demande, ce n'est pas un Dieu. Le nom Dieu. Dieu, c'est un être qui se suffit. Mais le problème est quoi? Tout ça, là, quand tu as un service, tout ça, on a besoin de micro. Service, on a besoin au foot à facture. Tout ça, on a besoin à kitty. Et tout ça, c'est de l'argent. Et mon mieux au pays ça, ils ont permettre que somba micro. Mon mieux au pays, ils ont permettre que somba kiti. Mon mieux au pays, ils ont permettre que fouta facture. Mais le problème est que au lieu de dire ça exactement ou clairement au peuple, bah le bamoto baba au pays ça zambe. Mais je comprends, on est dans une chose que soit tu es ici, soit va expliquer bah tout bon, les gens ne donneront plus. Au moment où c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Parce que tout l'argent que nous donnons à l'église, nous donnons ça à l'église, nous ne donnons pas à Dieu. Tout l'argent. Mais on peut s'en dire, papa. On peut s'en dire, hein? Tout le balan, nous. Mais il y a un principe. Mais ceux qui nous tournent en Zambali, Zambali. C'est ça ce que je dis aux hommes. Lorsque nous respectons,
En fait, c'est ça. C'est comme ça qu'on comprend le mot important. Il ne faut pas. Non, parce que c'est lorsqu'on dit on donne à Dieu, en vrai dit on donne au serviteur de donner au serviteur de Dieu est égal à donner à Dieu. Non, mais ça n'aille. Parce que si vous avez dit mangaï. Non, moi, être humain, en tant que pasteur. Un dixième, tu peux s'avancer dans ça. Mais au moins, des exemples. Non, et ça, il y a. Au moins, dans le but, si vous avez une église, vous avez une église. Si vous avez une église, vous avez une église. C'est ça l'honnêteté. Maintenant, yo pesa mosali nzambe. Tant que yebiki ah na pesi. D'ailleurs, lorsque zo pesa ngai, ça cela veut dire que tu crois en moi. Cela veut dire que tu me reconnais. Tu me reconnais na qualité mosali nzambe. Maintenant, so ki nzamba pamboli yo parce que yo pesi ngai. Tant que mona ki ah tant na pesa ka mutu wana na zo ka bénédiction. O wana o pesa ngai. Mais le problème c'est quoi? Les gens pensent, certains pasteurs pensent que ce qui n'est pas la vérité, ce que vous pensez, et que beaucoup de gens ne vont pas donner. Donc c'est ça en fait. Je peux dire ça en conclusion parce que l'église c'est une structure. Nous devons arriver à dire au peuple de Dieu que c'est une entreprise. L'église c'est une entreprise et entreprise il faut y fonctionner comme telle. C'est-à-dire que ils ont et notamment capital il y a église, c'est-à-dire bon il y a église et outaka à partir il y a bah don, c'est-à-dire bah offrande, na bah dîme, oyo, bah membre et église ils ont payé ça. Et c'est comme ça. Et ça il faut et ça l'a clairement défini et ça et côté na kati ya mitou il y a bah tout. Sur lequel la bah église mususu. Neti na ba mikili ya poto et pas ba mamindele au monde c'est clairement dit. Et au monde ba tout ba ça pour payer ça normalement et on na ba église on a okuta scandale rare okuta scandale moké. Na sala yo mais surtout d'autres communautés diaspora et tout. Qu'est-ce qui bloque diaspora et tout en général là pauvreté na ba entreprise dualité na ba faire dualité. Si nous comparons les juifs, nous comparons les arabes, les arabes ont beaucoup de barbares, les brebons, les barbares, les manifestés, les commerces, les bazars, les chaussures de gants, les solos qui sont venus, les commerces réalisés. Mais on a beaucoup d'églises, on a même beaucoup d'églises, mais pauvreté, c'est dû à quoi notre communauté. Congo, c'est un pays, je pense que le pasteur est bien le bien na Naza d'accord tout à fait Nayambo et là pays moko prophétique c'est un pays prophétique et un pays prophétique est processus nango pour atteindre destinée nango ils ont appelé prophétique ça veut dire que vous devez respecter ba norme oyo etiama ce que moni Congo ezala na mboka na biso kuna ezala ba otoza libanda ya ça marche pas. C'est parce que selon Gaïd n'a comprendre le mot que l'église est joué rôle dans l'autre. L'église est joué rôle dans l'autre. Au petit exemple, il y a un peuple juif. Peuple juif, ils ont respecté le principe de la Bible. Il y a un mot qui est comme ici, même si tu respectes le principe de la Bible. Donc le mal congolais, c'est l'église. Oui, parce que l'église, c'est ça qu'on expliquait. Peuple congolais, quels sont les principes où nous avons atteint dans la Bible pour que la communauté congolaise ait émergé? Parce que la Bible, le rôle de la Bible, c'est que nous avons appris le banaï de sorte que si nous avons appris le banaï pour nous prospérer,
hein, Ababi, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite les jour et nuit, et c'est alors, c'est alors que tu prospéreras dans tes entreprises. C'est-à-dire, rôle, il y a parole, il y a un zambé, ça, que, koyeko, la, ba, miango, ba, principe, ba, loi, il y a un zambé, il y a tia, pour que tout développe communauté congolaise. Mais l'église ne fait pas ça. L'église est distraite na ba théorie ebele, ba doctrine ebele, baptême, ba makambe ebele, combat spirituel. Mais koluka ko construire ou ba bengi la communauté congolaise au travers la parole de Dieu, l'église ne fait pas ça. Pour voter la mission de l'église, c'est pas la politique. Mais la politique fait partie de la loi où nous avons appelé ça. Donc ça dit que même notre politique, surtout au Yébi, le principe où la Bible est le principe où nous avons appelé ça. Donc on a dit sa politique, vu que tu Yébi a monté, la politique est au stand de la bombe. Donc le problème c'est que l'Église ne joue pas son rôle. Aux hommes. Dans cet exemple, moi, je ne suis pas vraiment Nakatomo, mais il y a juste un exemple. Il y a eu, je crois, en l'année 2023, le problème sur la loi des pères et des mères, tout ça. Vous remarquez, tant que vous avez une discussion, vous citez qui verset la Bible. Vous citez qui verset la Bible, vous citez qui verset la Bible, vous citez qui verset la Bible, Bino, Gozoen, étranger, tout ça. Ils ont soutiré seulement ces versets. C'est un de versets qui fait partie de comment tu peux bâtir une communauté. Comment tu peux bâtir une communauté, c'est un de principes. Il y en a beaucoup. Ils en ont maté à mon intérêt sur la bénédiction d'Abraham. Bénédiction d'Abraham, mes alliés, que la kisana, peuple nyons, oyo, azali, déporté. Oh, Alali, Libanais, Mbokanaï, comment est-ce que tu peux travailler pour que Okoma fort Liban? C'est ça, principe, nous avons appelé ça Abraham. C'est-à-dire que et c'est ce que les Juifs, partout dans le monde, utilisent. C'est pour cela qu'on a dit Juif Liban. Parce que le terme diaspora, c'est un terme où tu n'es pas dans le bambou. Liban, le peuple juif, c'est un peuple très puissant. Parce que bah respectable bah principe au nous avons appelé ça Abraham. Maintenant, biso tous en la même Bible au peuple moi en amour tous en la que tous en Abraham dans la foi, mais nous ne connaissons pas ça. Les pasteurs n'enseignent pas ça. Les pasteurs même ne savent pas ça. Je me souviens une fois j'ai parlé même à un ami pasteur en bidon, papa je veux que peuple nous avons bah ébalo les pasteurs aboui parce que ils trouvent ça un peu les pasteurs moi je dis c'est pas compliqué. Le problème, il y a Congo, c'est l'église. Les jours où l'église congolaise est qu'on joue vraiment parole en disant, mais tiens, sur table, Congo est au téléphone. Tout ce que c'est un dossier mon père important, l'élection, tout ça dans la Congo. Tout le monde est basé qui va te bêler. Il y avait aussi des pasteurs, et chaque candidat a eu la prophète, il y a un pasteur. En même temps, chaque année, il y a un pasteur, il y a un prophète dans mon monde. Donc, l'église a été impliquée par ce point-là. Mais tout le monde a triché grave. Le ministre a triché, le gouverneur a triché, le professeur d'université a triché. Heureusement, il y a un pasteur qui a été triché. Heureusement, il y a un pasteur qui a été triché. Il y a un pasteur qui a triché. Il y a un esprit qui a triché dans la communauté de la mission, dans beaucoup de la mission. Et surprendre, Je ne suis pas surpris. Au moins, dans mon pasteur, par exemple, un professeur, prophète. Il y a un prophète qui naïf, ça va tout. Footballandais, c'est quoi Mingi? Denis Lessi. Footballandais, Mingi, c'est quoi? On va pour Denis. Malgré le bon malin. Parce qu'en fait, il y a un bon malin. Non, on peut son principe, mon gros. Oyo, ils ont bon malin, pasteur. C'est l'intérêt. À cause, il y a un lobby dans la Bible et lobby, nul ne peut servir deux maîtres. Soit au lingamoko ou au boyamsous. Aujourd'hui, dans le christianisme congolais, est pasteur et serviteur de Dieu, a la notoriété et est reconnu comme un grand pasteur au hasard béni. Au hasard, il y a un animé belé.
Oaza n'a bon ou belé. Oaza un peu, Bobinga ou un grand. Au monde. Ça dit, unité de mesure aujourd'hui dans le christianisme congolais, c'est le bien matériel, le maman. Or, il y a ce lobby, au gros sale, il n'a jamais 2 mètres. Sauf au côté de la bien matériel, il n'y a pas que au gros à la serviteur et à maman, au tikanzam. Au monde. Donc, du coup, les pasteurs, lorsque au moins, et vu que le système église congolaise et qui est bien matériel, du coup, est foiré. Si quand est-ce que le pasteur a compris la vérité? Lorsque l'intérêt commun qui est, c'est-à-dire à la sous la vérité, à la sous la vérité, et à la sous la vérité, et à la sous la vérité. Voilà. C'est pour ça que je vous dis, c'est le moment de l'écouter. C'est le moment où yo, binosko bozo mona moté bozo ba a pété. Oh, à ça libre. Au moment où c'est le moment où yo, vu que ça a commis l'intérêt mon cœur, à ça pour Luka Mata, à ça Luka Zonga, a commis ce qu'on dit c'est la vérité. Parce que même il est mon temps mazala a yebi, temps mazala qui a zayi roloba, a zayi roloba moté. Zoma. Donc c'est ça en fait le problème. Le problème, nous ne prenons pas la parole de Dieu, mais nous prenons les réalités à Mokili. Est-ce que Congo, les apprenants de défense, tout pour enseignement, parce que il y a des enseignements, on a des défenses. Il ne faut pas enseigner, tout pour un lien où mon peuple périt par manque de connaissances, ou bien mon peuple a envoûté, il ne faut pas délivrer pour beaucoup de pouvoir. Et ça, na na elo mongo ne nazara pondi ma ministère ya combat spirituel ya maman Olani na lo bango toujours no bakam maman wana azwaki inspiration mongo ya malam il voulait à délivrer ko a délivrer comme malheureusement a procédé ma bénédiction tout à l'heure norbique elo ko nous a prophétique et la narape processus mongo prophétique malheureusement processus na ndi ko foiraki ya kanis ki délivrance et ya la prière. À commencer, ça va être la gêne et prière pour la base de la délivrance. Non, la délivrance ne vient pas par la prière, soit le bien rabbi. Vous connaîtrez la vérité. Vous connaîtrez la vérité. Et c'est cette connaissance de la vérité qui va vous franchir. Au lieu, il y a et vérité, on a famille. Ça, c'est pas ça la vérité dont tu as besoin. La vérité dont il est question, ça, c'est la parole de Dieu. Que le principe y a Nzambe. Pour une communauté émata, qu'est-ce qu'il faut? Pour une mboka et tambola, qu'est-ce qu'il faut? Pour une ngamuto en tant qu'homme, qu'est-ce qu'il me faut? Pour une ngaye en tant que père de famille, qu'est-ce qu'il faut? Pour une maman en tant que mère de famille, qu'est-ce qu'il faut? Pour une moine en tant que jeune, qu'est-ce qu'il faut? Bah, quoi, bah, principe, quoi, bah, vérité, wana, quoi, bah, parole de Dieu, wana. Lorsque vous y écoliez en go, c'est alors que vous allez délivrer. Donc, maman, à soi qui? Inspiration mon malamou mais à procéder n'andeng mususu et que tout le temps qu'on a passé avec elle malheureusement à tikibiso déjà à sali à accomplir mission à ma pesa qui était. Merci beaucoup Israël pour une partie avec pasteur James Koudoua Boulandia Bokebina en tout temps quelques minutes à lancer message Balou Boulandayo mo kilibomba la poussoir message d'aligner la pesa na beaucoup plus na ba congolais d'abord les un message que je peux le dire national patriotique boyebi qui est outil pour les cas na ba élection et na ba élection on a eu le président sortant Yende a gagné monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo nalina lobelo mona kumeke même na ba page na nga Facebook deuxième mandat au mandat très significatif. Je pense que le président Félix, c'est un homme qui veut laisser un nom. Le nom Tshisekedi na histoire politique ya mboka na biso. Mais pour Tika Kombo, il lui faut un grand travail. Et ce travail là pour Asala yango on a besoin d'adhésion populaire. Parce que adhésion populaire est anini. C'est-à-dire que, à cause de la décision, peut-être, et cause à la mabé
pour la sphère politique. C'est-à-dire il faut peut-être ba combo mususu otoye ba kana politique et longwa ba sala isusuté ba mususu ba kangama mais pour sala yango il faut que population et soutenir yé et à cause ça la peut-être na ba attaque même na niveau ya ba mikili ya na niveau international mais et lorsque vous avez la protection na yé c'est sa population donc na petit message dans le peuple congolais, il y a quelqu'un qui adhérer, qui soutenir le président de la République. Parce que le deuxième mandat, au 5 ans, il y a un mandat très très défini, déterminant pour la politique. Et dans la page Facebook, il y aura, dès le départ, dès le début, quand il y a l'élection, il y a déjà un combo, il y a déjà radié, tout ça, il y a tout le monde, il y a une tricherie, tout ça, non, c'est juste le début. Mais il faut que la population, et ça, la bouzobate, il y a Koluka, Kolanda, les politiciens. Non, soutenez le président. Ne soutenez pas les politiciens, mais soutenez les présidents. C'est ça le message au Nazanamo Yaropé, c'est le peuple congolais. Merci beaucoup, Zalaki. Kouseko, m'écoute passer au bois de James Koudoura de Tomonani. Prochainement. Donc,